Ça fait à peu près 20 ans que maintenant je suis musicien. J'ai bougé à Paris en 2015, quelque chose comme ça. Et depuis, bah voilà, on est sur la capitale avec ma compagne. Et là, pour ce soir, en fait, on a l'immense honneur, en fait, d'inviter un musicien qui vient de New York, qui s'appelle Jeb Patton. J'ai rencontré Jeb parce qu'il était déjà venu plusieurs fois à Paris pour l'occasion de plusieurs tournées avec d'autres musiciens parisiens, dont Dmitri Dbaïski, avec notamment Fabien et puis plein d'autres copains, Bernd Reiter à la batterie. Ce qu'il y a de super avec la musique, avec le jazz, c'est que on a l'occasion des fois de jouer avec les grands maîtres. Parce que la musique le permet, parce que les morceaux le permettent, et bien souvent il suffit juste de faire leur connaissance et de leur dire j'ai envie de monter une tournée, ça te dirait de venir jouer avec nous. Mais c'est exactement ce qui se passe là, et on a fait la même chose en fait. Je fais ça depuis 2019, donc on a eu l'occasion d'inviter
pas mal des mecs que moi j'adore. Et alors, beaucoup de puristes qui diront pas forcément que c'est des grands maîtres du jazz, mais pour moi ça fait partie en fait de la nouvelle génération des grands maîtres du jazz, parce que bien sûr les Dexter Gordon, les Sonny Rollins, Coltrane, tout, ce sera toujours indétrônable. C'est vraiment eux qui nous ont appris cette musique. Mais cette génération de musiciens est vraiment sensationnelle. Et là, je parle vraiment de... en fait, les gars qu'on a déjà fait venir, Grant Stewart, on a eu l'occasion de jouer avec Grant Stewart, on a eu l'occasion de jouer avec Harry Allen, Joe Manganiello, Jim Rotondi, Saul Rubin, et là, cette fois avec Jeb. Et c'est trop bien, et je pense que pour toute la jeune génération de musiciens, c'est aussi un rêve pour nous de jouer avec ces gens-là, et c'est un peu c'est la concrétisation de toutes ces années de dur labeur, et c'est trop bien quoi. Excité là. Alors on va poursuivre avec une composition de Dizzy Gillespie qui s'intitule I Waited For You.
En général, ce que je fais, c'est que je demande à mes invités de choisir une dizaine de morceaux et moi, je complète le reste. Donc, parce que, alors, quand c'est des leaders, en général, c'est assez facile parce qu'eux, ils ont déjà un répertoire déjà préfet. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'avec Saul, qui était guitariste, et avec Jeb, bah, c'est plus ce qu'on appelle des sidemen. C'est-à-dire, ils ont leur propre projet, mais on va dire la majeure partie du temps, ils sont appelés pour d'autres projets en tant qu'accompagnateurs. Mais là, pour moi, c'est hyper important parce que c'est aussi bien de pouvoir jouer leur musique à eux parce qu'elle est moins mise en avant que peut-être la musique d'autres leaders. Et c'est juste trop bien. Et donc là, il nous a ramené... alors, ce qui est paradoxal, c'est que du coup, il nous a pas forcément ramené de la musique à lui. Il nous a ramené quelques morceaux avec des arrangements que lui, il a fait sur des standards. Mais il nous a aussi ramené des morceaux, comme je le disais tout à l'heure, du saxophoniste Jimmy East, qui est l'un des musiciens avec qui il a joué pendant plus de 20 ans. Et c'est très cool, mais voilà, ça permet aussi de découvrir d'autres musiques. Donc là, pour le répertoire, bah, c'est beaucoup de ce que lui, il avait envie de jouer. Et puis moi, je vais compléter avec des standards que moi, j'aime jouer depuis pas mal de temps. Ou alors que j'avais envie de jouer depuis pas mal de temps et que j'ai pas forcément eu l'occasion parce qu'il y a tellement de choses à jouer. On n'a pas le temps de tout jouer. Et bah voilà, pour ce genre d'événement, c'est vraiment l'occasion de prendre le temps et de jouer aussi ça. À chaque fois que je viens ici, c'est-à-dire à peu près tous les ans. Mais merci à toute l'équipe de Hulot, merci à Dany, merci à Pascal, merci à François. J'en oublie énormément parce que je ne connais pas tous vos prénoms. Mais merci d'être là, merci de faire ce que vous faites, c'est hyper important. Surtout, on va dire, en ces temps un peu troubles. Mais voilà, vous tenez la baraque depuis à peu près 22 ans. Et franchement, je pense que c'est un exploit qu'il faut vraiment considérer. On va terminer cette soirée avec une composition de Cole Porter qui s'intitule
In the Still of the Night. Merci beaucoup, je m'appelle Tom Libanez. Thank you.
influence commune par rapport à la musique que nous on joue, c'est vraiment tous les musiciens qui ont marqué l'histoire du jazz, du bebop, du hard bop. En fait, tous ces musiciens, en fait, on va dire des années 30 à milieu des années 60. Donc lui, il va forcément être beaucoup plus influencé par les pianistes. Cedar Walton, Phineas Newborn. Et puis moi, forcément, plus des saxophonistes comme Rollins, comme Dexter, comme Hank Mobley, Sonny Steele, voilà, des mecs qu'on adore, quoi. Mais vu que tous ces musiciens, ils jouent la même musique, le même style de musique, du coup, on s'y retrouve assez facilement, en fait. C'est tout un style. C'est tout un style et c'est ce qui nous permet justement aussi d'arriver le premier jour. Ça fait... en fait, j'aime bien cette expression. J'ai un pote qui dit « Ouais, ça fait badaboum ». Mais en fait, c'est exactement ça. C'est exactement ce qu'on attend. C'est dès la première note de musique qu'on arrive à jouer ensemble, on sent qu'il y a une connexion et ça marche, quoi. Ça marche et c'est pour ça que j'adore cette musique, c'est sensationnel.
y a toujours un boulot colossal. Je pense que le plus gros du boulot, c'est quand on est plutôt jeune étudiant, parce qu'on a vraiment tout à apprendre. Et je dirais pas qu'après on peut se reposer sur nos lauriers, parce que c'est pas du tout vrai, ça demande toujours énormément de travail. Le gros du travail d'un musicien de jazz, en fait, c'est juste de relever des grands maîtres et d'arriver à obtenir un maximum de vocabulaire et des fois même de la technique, au-delà de la technique de l'instrument, de la praticité de l'instrument. Ma mère voulait que je fasse de la musique, donc à 7 ans, elle m'a dit bah tiens, voilà, c'est un sax, parce que je crois qu'elle adore ça. Elle m'a juste mis un sax entre les mains et puis en fait j'ai juste continué. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'aimais pas du tout ça. C'est ça qui est très drôle. Moi j'ai commencé à 7 ans, j'aimais pas. Enfin, c'est pas que j'aimais pas ça, mais c'est j'avais plus envie de jouer aux jeux vidéo, d'aller avec les copains, de sortir. Moi, travailler dans ma chambre, ça me saoulait. En plus, c'est très français de travailler dans la chambre. Les Américains, ils travaillent en groupe, ils travaillent en band et il y a tout ce travail collectif. Alors que nous, en France, on travaille beaucoup dans la chambre et c'est très classique, en fait, cette manière de travailler. Et moi, c'était pas mon truc. C'était vraiment pas mon truc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais en période du lycée, vers mes 17-18 ans, j'ai rencontré vraiment des musiciens qui, eux, pour le coup, faisaient partie déjà d'orchestres, de gros orchestres, par rapport à Jazz à Vienne, parce que moi, j'habitais à Vienne à l'époque. Et je sais pas, ça a juste marché. Il y a une connexion qui s'est faite. Et ils m'ont vraiment donné envie de m'y remettre. Donc en fait, quelque part, ouais, j'ai fait quelques années quand j'étais gamin. J'ai dû faire peut-être 2-3 ans quand j'étais gamin. J'ai très vite abandonné, parce que voilà. Et en fait, j'ai vraiment commencé la musique à 18 ans parce que bah, déjà, moi, je savais en faire. Je savais lire la musique. Je savais pas jouer, improviser, mais je savais au moins lire la musique. Et puis je voyais mes potes qui jouaient vraiment, eux. Et ça m'a juste donné envie, en fait. Et je sais pas, ça s'est fait naturellement. C'est juste fait naturellement. Je ne suis pas posé la question. Puis depuis, bah, j'ai juste continué parce que, bah, en fait, c'est une vie formidable. Elle est dure. Elle est dure parce que ça reste dur, notamment, bah, on sait tous que financièrement, quand on est artiste, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais c'est riche sur plein d'autres points. Les rencontres, ce qu'on en fait, les voyages, et puis la musique est d'une richesse. C'est quand même dingue. On n'a pas besoin. Il parle une autre langue, il parle anglais. Bon, moi je parle anglais, donc on communique. Mais je pense que même si on ne parlait pas anglais, si on parlait deux langues complètement. Enfin, on parle de langues complètement différentes, je veux dire, si on n'avait pas de langue commune, qu'on ne pouvait pas se parler, avec la musique, on arriverait à se parler parce que la musique est un langage. Et c'est comme pour toutes les langues, il suffit d'avoir les codes, il suffit d'avoir les notions et on peut arriver à communiquer même avec très peu de moyens. Et je sais pas, c'est incroyable en fait. C'est juste incroyable. C'est tout un monde. En tournée jusqu'au 28 octobre. Puis après, on joue assez régulièrement. On joue assez régulièrement partout. Jeb, il a beaucoup de choses au mois de novembre à New York et tout. Et puis moi, j'ai des choses qui arrivent aussi. On n'a pas d'album ensemble parce que c'est vraiment des formations one shot. Donc, c'est vraiment des mecs que j'invite pour une période. Et puis voilà, on monte un répertoire unique pour cette tournée. Si on a l'occasion d'enregistrer à la fin de la tournée, on le fait, mais bon voilà, c'est toujours très dur aujourd'hui de pouvoir enregistrer parce que c'est un coût colossal. C'est un exercice d'enregistrer et puis on pourrait juste enregistrer des standards, mais je pense enregistrer pour juste enregistrer, ben, ça serait juste un bon souvenir. C'est un bon souvenir, mais de toute façon aujourd'hui, plus grand monde qui écoute des CD, ça devient très dur avec les CD et je pense que ce serait plus un cadeau personnel que vraiment un aboutissement en soi. L'enregistrement n'est pas forcément un aboutissement. We'll be right back.
très bien. Il joue avec énormément de musiciens en France et en Europe. Et il y a Germain aussi qui a un excellent très jeune batteur. Et je pense ouais, faut le suivre. Faut le suivre parce que ouais, ça va taper fort quoi, dans pas longtemps. On a envie de concrétiser peut-être une tournée ou des projets et arriver à voir. C'est comme un souvenir en fait. Enfin, moi je le considère comme ça. Il y a pour plein de personnes, l'enregistrement c'est vraiment une étape dans la vie d'un musicien. J'ai mes enregistrements, il a les siens. Aujourd'hui on fait beaucoup de standards parce qu'on aime ça et puis ça fait partie de l'histoire même de cette musique, de jouer des standards. Maintenant, c'est vrai que quand on a envie d'enregistrer, c'est peut-être qu'on a envie d'écrire quelque chose de particulier, d'avoir aussi peut-être un message à transmettre à un moment donné, d'avoir peut-être des années d'écriture. Ça peut être aussi une concrétisation d'une tournée, c'est génial aussi. C'est pas forcément ce que moi je défends, c'est toujours une superbe expérience, mais c'est pas forcément ce que je défends. Donc non, pas d'album.